Alors l'autre version du cirque dont je voulais vous parler ce matin est plus artisanale, plus rustique. C'est le cirque Phénix qui présente un spectacle qui s'appelle Cirque Africa. Alors depuis quelques années, le cirque Phénix part dans le monde entier nous rapporter des artistes de cirque venus d'ailleurs. Ce coup-ci, et pour la première fois, ils sont allés en Afrique chercher des artistes venus de tout le continent africain. Et ça donne un spectacle franchement différent. Bien sûr, là aussi, il y a un orchestre en live, des contorsionnistes surtout, et des acrobates. Mais tout ça a un esprit peut-être plus joyeux, plus décalé. Et surtout, le cirque Phénix, depuis quelques années, ne présente plus d'animaux. Alors pour la parade de Cirque Africa, ils ont choisi, et ça je vous invite à y aller rien que pour ça, de faire des grandes marionnettes articulées en forme d'animaux qui paradent à l'intérieur du cirque. Honnêtement, pour les grands comme pour les petits, c'est magique. Voilà, c'est la version un peu décalée du cirque. Vous avez donné envie d'y aller. Autre accessoire à la mode en cette saison, c'est le calendrier.